Je t'ai appelé, c'est pour que on joue un jeu, toi et moi. Tu as compris, non? Tu as beau laver les assiettes. Tu as fini complètement là-bas. Ok, d'accord. Regarde, le but du jeu est simple, hein? Je vais te poser des questions. Entre ton père et moi, tu vas choisir. Si c'est moi, tu as le droit de boire le jus. Le jus, Mais là. voilà. Mais si c'est ton père, tu as vu le linge, non? C'est mon linge sale. Tu vas laver. Mais Tu as pourquoi le compris? lin? Pourquoi Ça, forcément c'est le lin? long. On va d'abord prier pour appeler la sagesse de Dieu. Fermez les yeux. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends de multiples actions de grâce, Seigneur. Je te présente ce jeu. Que ta sagesse intervienne au cours de ce jeu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu n'as même pas fermé les yeux. Même quand on prie pour ta vie. Toujours les yeux ouverts, ouverts, ouverts comme ça là. Non, quelqu'un. Bon. Faut bien écouter les questions. Hein. Première question. Entre ton père et moi, qui est le plus colérique? C'est toi que tu es toujours fâché, tu es... Hein? C'est toi qui es la plus colérique. Hein. Donc moi, je me fâche toujours Non, quoi. regarde, là, tu es en train de crier. On a déjà dit que C'est c'est... simple. C'est le tchali que le... Tiens! Je ne veux pas beaucoup parler là. Je t'ai dit que si tu choisis ton père, c'est le linge. Deuxième question. Entre ton père et moi, qui te porte plus la main? C'est toi, là. Tu veux toi. Neuf mois cadeau. 9 mois cadeau. Tiens. Troisième question. Comme je t'ai mis au monde là, cadeau. Tu choisis que Mais ton. pourquoi tu avances le jeu là-bas? Laisse-moi mon jus tranquille. Troisième question. Entre ton père et moi, qui te donne plus de conseils dans la maison là, ou bien dans ta vie? Ah, c'est toi. Ah, tu as vu, non? Tu sais que quand tu fais de mauvaises choses, je suis toujours là pour te conseiller, mon fils. Voilà. Oh, ça c'est mon fils. C'est tout. Oh. Voilà. C'est pas ça. Bon. Bon. Quatrième question. Entre ton père et moi, qui te donne souvent plus d'argent dans ta vie? Ah, c'est le boss, c'est papa. Hey, tu es aussi gris. Tiens. Donc moi, je ne te donne jamais l'argent, Je quoi. n'ai pas dit que tu me donnes jamais, tu as dit que tu me donnes plus. C'est le Donc, boss. tout le temps que je passe ici, là, tous les matins, là, je te donne souvent l'argent, je te donne pas l'argent. Regarde-moi C'est toi-même quelqu'un. qui donne la plus. Sixième question. Dis-moi un peu. Entre ton père et moi, là, tu aimes qui? You know you can be prosecuted for that. Moi, je vous aime, vous deux, mais vous êtes mes parents. Non, mais tu ne peux pas nous aimer, nous deux. Mais je vous aime, vous deux, vous êtes mes parents. Non, on arrête ça. Tu dois forcément aimer une seule personne entre nous. Tu dois, l'autre là, tu dois aimer beaucoup, l'autre, tu dois aimer un peu. C'est toi, que j'aime. C'est moi, non. Oui. C'est moi qui reste avec toi, non. C'est moi qui veille sur toi, non. Voilà, bon, je suis mon fils. C'est ça la même. Ne finis pas. Voilà. Tu sais que le reste, moi-même, je dois boire. C'est pour le jeu. Non, attends. Septième question. Tu préfères vivre avec qui? Ton père ou moi? Après, quand je vais encore répondre, tu as dit quoi? Je préfère rester avec le Bon, boss. mais oh. Faut pas m'énerver le matin, tu as compris, non? Je préfère rester avec le boss. Tu peux... Donc, tu fous quoi ici chez moi? Hein? On est là parce que c'est la période. Tu fous quoi ici chez moi? Parce que c'est Hein? la Tiens! période. Tu vas bien me laver le linge aujourd'hui, là. Tu vas voir. Ça, c'est quoi même? Toi-même, tu sais là où tu vas trouver le savon. Mais y a pas le savon. Quel savon? Tu vas aller chez ton père là-bas pour chercher le savon. Huitième question, et c'est la dernière question. Écoute, et tu m'écoutes bien. Tu as compris, non? Tu écoutes bien. Entre nous deux, si quelqu'un va avant l'autre, donc si quelqu'un va avant l'autre là, tu vas plus pleurer qui? Faut me répondre, hein. C'est vous deux, je vais vous, forcément vous pleurer, vous deux, vous êtes mes parents. Regarde-moi quelqu'un. Forcément. Tu vas nous pleurer nous deux comment? On te dit bien que sur le dans l'autre. Hein? Tu vas nous pleurer au même moment. Donc c'est que tu veux déjà me voir partir quoi? Tu veux boss, je veux plus pleurer le boss. Tu Jesus vas plus pleurer le boss. Roméo, c'est moi qui veille sur toi, c'est moi qui fais tout, 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 tout. Mais c'est ton père, c'est ton imbécile de père que tu vas beaucoup pourquoi pleurer. Tu veux en train de crier, on a juste le jeu. Attends. Laisse-moi mon jus. Tu restes là, ça là. Comme c'est ton père que tu vas beaucoup pleurer là. Tu vas te mettre. Va me mettre les pieds en l'air là-bas. Mais je fais quoi? Je vais mettre les pieds en l'air. Je dis, va te mettre, va mettre les pieds en l'air là-bas. Regarde-moi quelqu'un.
Ton gigolo de père là-bas, c'est-à-dire que tu as dit que tu as vraiment pleuré. Ça veut dire quoi? Putain, tu as prié, je ne sais pas pourquoi tu t'emportes. C'est juste un jeu. Quel jeu? Tu ne sais pas que le jeu aussi, il y a la vérité là-dedans. Hein? Faut aller fermer la porte. Tu ne sais pas que le jeu, il y a la vérité. Hein? Donc, en fait, tu es en train de me dire que non, c'est ton père. Tu préfères plus ton père que moi, quoi. Je n'ai pas dit ça, la vie. Je n'ai pas dit ça. Tu vas rester là toute la journée dans les nos coco. Mais j'ai fait quoi de mal? Tu m'as juste posé la question. Poser quelle question là? Mais on était bien là là. Je suis même pas bien positionné. Là. Tu te débrouilles. Puisque tu aimes plus ton père que moi, non? Regarde comment je vais boire même mon jus. Regarde-moi quelqu'un. J'ai mal au ventre. Regarde, mets-moi tes pieds en l'air. J'ai mal au ventre. Je dis que tu vas rester toute la journée. Quand tu vas enlever tes... Quand tu vas venir me laver le linge. Tu as compris? Ça, c'est quoi? Roméo. Roméo, hein? Oui. C'est sur mes coussins que tu viens te mettre. Tu veux mettre ça? En bas, il n'y a pas la place. Touché.